Salut à tous, et bien là nous sommes au lac de Gourdanpolignan dans le 31-210. Donc là je suis actuellement en train de pêcher la carpe dans un petit lac. J'ai mis une canne avec une tiger net pour voir parce que ça mord pas mal en ce moment la tiger net. C'est c'est Lou Pescadou qui m'a intégré cette idée parce que bon, c'est des carpes qui sont pas mordeurs aux bouillettes et tout ça. Et après j'ai essayé une nouvelle astuce qui paraît qui a l'air de cartonner un max, j'ai essayé au dragibus. Donc du coup voilà, après j'ai pris deux petites cannes de 1,82 m et pas plus. Hein, parce qu'on peut pas pêcher en Garonne parce que l'eau est très sale. Donc du coup voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer le lac. Avec la canne qui est disposée là. Et l'autre, un peu plus loin, dans la mi-profondeur. Et là, vraiment où il n'y a pas d'eau. Voilà. C'est vraiment un endroit magnifique, avec la Garonne qui déborde un peu. Du coup, voilà, je peux tourner la vidéo au moins comme ça. Si des fois il y a un départ, et eh bien. Après, je peux vous montrer aussi quelques modèles de bouillettes. Hein. Alors là, j'ai de la Scopex qui marche super bien en bouillette. Donc c'est du 18 mm. Et après, j'ai de la Monster Crab qui est pas trop mal aussi, que j'ai fait des beaux poissons aussi. Voilà. Et Tiger Net de Decathlon Carpellan. Donc on paye la boîte d'un litre 5, 9,90. Et voilà, comme je vous ai dit, ma petite astuce discret, c'est bon, vers chez nous, il n'y a pas grand monde qui le sait, les dragibus. Voilà. Donc du coup, voilà. C'est pas top top, mais. J'ai pas une super canne, donc du coup j'essaie de disposer comme je peux. Donc là normalement j'ai mon poteau qui me rejoint demain. On essaiera de venir pêcher dans ce lac pour essayer de sortir un beau poisson. Hier on est venu, j'ai fait un départ, mais malheureusement c'est décroché. J'ai pas fait de carpe pour on va dire pour la nouvelle année 2019. Après, moi je conseille d'acheter du matériel sur AliExpress. Moi j'ai vraiment pas été déçu. On trouve des occasions pas très chères niveau tresse, niveau hameçon, au niveau bouillette, pop-up aussi qui marche très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aussi Decathlon, le site de Decathlon qui marche très bien avec des cannes pas très chères. Pour les premières pêches qui commencent à débuter, tout ça. Après, il y a le site Amazon aussi, mais ça, je vous le marquerai dans le lien de la description. Comme ça, moi, je vous ferai un lien, au moins, vous pourrez aller dessus. Il y a vraiment des belles occasions au niveau tout ce qui est pêche pour la truite, pêche pour brochet, pêche à la carpe. Il y a vraiment du super matériel et de très bonne qualité. Le temps de livraison est un peu long, mais bon, ça. Ça met du temps à arriver, mais c'est voilà, je suis pas déçu de mon matériel que j'ai reçu. Donc là, on va voir pour se prendre avec mon collègue Carp Fishing Anto Yannick. Donc ça, c'est notre groupe YouTube. Hein, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, mettez des pouces bleus. On va s'acheter une caméra GoPro qui va sous l'eau pour voir un peu comment se dispose le poisson dans le lac, surtout qu'il est vraiment pas profond. Le maximum d'eau qu'il y a, ça va être peut-être 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 50. Voilà. Bon, mais depuis cette ouverture, après, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait pas mal de belles truites. Hein. Beaucoup de petites parce qu'ils ont lâché des tacons. Donc, c'est une espèce protégée surtout. Je conseille de remettre avec l'eau à l'eau avec précaution. Voilà. Et pour le moment. Pour le moment, mais c'est tout quoi. Je suis allé pêcher un peu au Carnassier, au lac Amorejo.
qui n'a pas donné d'exploit, qui a pas fait, on n'a pas fait de touche, il n'y a pas de, non, c'est calme, calme, calme à ce moment. Et là, on va voir ce que ça va donner dans la journée. Je suis là pour 2 ou 3 heures minimum, hein. Donc en espérant que ça va toucher un peu. Voilà. Après, j'ai pas trop amorcé parce que ça, c'est des carpes en fait, hein, qui ont été relâchées dans ce bassin parce que je les ai récupérées dans un cours d'eau où il n'y avait plus d'eau. Donc je ne savais pas trop où les déplacer. Alors comme je ne pouvais pas les laisser comme ça, je pense qu'ils sont mieux ici. Et voilà, au moins les gens peuvent s'amuser ou les enfants à faire un peu de poisson. Voilà. Peut-être que ça va se reproduire même. Je ne sais pas, mais on verra bien. Après, il n'y a pas énormément de carpes. Il y en a ouais, peut-être 9 ou 10. Une qui dépasse les 25 kilos. Une carpe miroir. Une vraie, une belle mémère. Après, il y en a une qui fait dans les 15-16 kilos parce qu'on les avait pesées quand on les avait récupérées. Après, c'est entre 8, 12, 13 kilos. Et bon, c'est quand même des très jolis poissons. Voilà. Bon, et bien, je vous laisse sur la caméra et peut-être avoir un départ. À tout à l'heure. Voilà, et la Garonne est vraiment impêchable. Vraiment sale, sale, sale. C'est de l'eau des neiges. On arrive en bonne période. Bon, mais je vous dis à tout à l'heure et je reprends la vidéo si. Il y a un départ. À tout à l'heure. Let's go.